Salut, salut les amis! Eh ben aujourd'hui, je suis en ville pour vous présenter, alors ce sera une petite preview, hein, le vrai test il viendra plus tard, la Bluetran Lighting. Ça, c'est la version 35 Ah, 72 volts. Et ben c'est parti, on voit ça tout de suite. Pour commencer par la promo, comme ça c'est fait, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça c'est top, merci, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, ça me permet d'avoir des produits à vous présenter sur la chaîne, continuez comme ça, merci beaucoup. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous, et avec le code promo ZeroRider, vous avez 5% de réduction sur toute la boutique FastRide. Alors Bluetran ou Bluetran, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une nouvelle marque de mini-motors avec des trottinettes dites premium qui ont toute la particularité d'être étanches et en 72 volts. Alors pour l'instant il y a la Lighting en différentes versions, celle-ci c'est la 35 Ah. Alors au niveau des caractéristiques, donc on est sur une trotte donc, de 72 volts en 10 pouces et ça c'est rare, c'est même la première 10 pouces. Alors ce ne sont pas des pneus tubeless, ce sont des pneus à chambre à air qui sont d'origine en 10 pouces par 3. Alors au-delà d'être super belle, déjà la grosse différence avec la marque du Altron de Mini Motors, bah, c'est au niveau des suspensions. Là on a deux suspensions. Alors je ne sais pas si c'est du pneumatique ou de l'hélicoïdal, ça ressemble à du pneumatique. Il y en a deux à l'avant et deux à l'arrière, ce sont des suspensions en ciseaux comme on retrouve chez V7 0, donc c'est beaucoup plus souple que les Dualtron habituels. On a aussi un nouveau guidon, alors guidon pliable hein, de cette manière là. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne, on pousse, je sais pas, bon j'arrive pas à bouger le guidon. Donc on a un nouveau guidon pliant, vous pouvez aussi régler l'inclinaison du guidon. On a une colonne qui est issue de la Storm avec le nouveau système de fold. On a une bague, un lock avec un double serrage dessus. On a un feu qui est sur la colonne, ce qui n'est pas spécialement courant chez Dualtron, ça c'est une nouveauté. On a toujours les feux qui sont dans le deck, éclairage sur les côtés, à l'arrière. On a un marchepied qui est beaucoup plus petit que celui que vous avez sur la Storm et sur la Thunder 2, qui est beaucoup plus agréable, hein. On a vraiment la bonne inclinaison là-dessus. On a un grip rubber, ça j'aime beaucoup. On a une vraie béquille qui est vraiment costaud. On a des freins à disque hydrauliques de marque Zoom avec un placement vélo, c'est-à-dire frein à disque arrière à gauche et frein à disque avant à droite. On a un display i3 de chez Mini Motors, ça rien de nouveau. On a des poignées ergonomiques d'origine. On a un Komodo qu'on retrouve aussi sur les dernières Dualtron, avec ici les clignots, le bouton d'allumage, le mode écho, les warnings, bref, la totale. La totale sauf le switch single dual, c'est une trotte qui est toujours en dual et qui en a vraiment dans le ventre. Alors j'essaye de vous mettre la télémétrie. Mais pour être honnête, j'ai pas beaucoup de satellites donc je sais pas si ça va fonctionner. Alors on est bien sur des contrôleurs Mini Motors, hein. On connaît bien le signal carré, ça s'entend. Ça a ses avantages, ses inconvénients, moi j'aime bien. L'avantage par rapport au diffunisoïdal, c'est que c'est plus brutal. Si on aime une conduite brutale, le square, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut. Bon, on va essayer de passer tout ça et d'avancer un peu. Alors elle a de la reprise, hein. Elle a vraiment de la reprise et encore je crois que je suis en mode écho. Alors là le P7 doit pas être à zéro, on a les mêmes réglages que sur les Dualtron traditionnels. On a un port de charge qui est sur le deck, qui est pas sur le côté. Alors je suis en train de me rendre compte à l'usage, c'est vraiment mes premiers tours de roue, hein. Je vous fais vivre ça en direct. On a un frein régénératif qui est assez léger et ça c'est pas mal parce que souvent ils sont trop forts. Là franchement il est pas mal du tout. Au niveau du bruit on dirait vraiment une Thunder, hein, mais en 72 volts. Donc comme d'habitude, hein, on a les trois vitesses sur le display, on a tout ce qu'il faut. Alors je ferai pas de VMAX ici, on est en ville, il n'y a pas la place, ce serait dangereux, je vais pas le faire. Allez, on va essayer les clignotants et on va tourner à droite. Merde, je pensais avoir plus de place. Elle monte très très vite. À 25 km/h. Au niveau de la maniabilité, franchement, elle accroche bien.
sais pas du tout où je suis. Ah ouais, putain. Elle est assez légère, à peu près une quarantaine de kilos, je vous mettrai le poids exact. En tout cas, elle est plutôt facile à manœuvrer. Alors, je pense pas que le P7 soit à zéro. Je pense que là, le P7 doit être sur 2 ou 3. Donc, l'accélération est plutôt lisse. C'est vraiment agréable. Il n'y a pas de jeu sur la colonne. Hein. C'est la suspension qui travaille. Le freinage est plus que correct. Alors, par rapport à la version que je vais vous proposer sur la chaîne dans peu de temps, j'aurai quelques différences. Puisque ça, c'était un des protos qui est envoyé à FastRide. Et il y a quelques modifs, alors je connais pas exactement la teneur des modifs. Je vous en parlerai dans la vidéo du test du vrai modèle. En tout cas, je suis vraiment pas déçu, j'attendais beaucoup de cette trotte. Je la trouvais vraiment super belle. Et surtout la fiche technique aussi, super belle. Et je suis pas déçu. On est vraiment au-dessus de Dualtron en termes de qualité de fabrication. Tout est dans le détail. Mais on sent qu'ils ont vraiment, vraiment soigné la finition. Il y a les catadioptres sur les côtés, soit homologués route. Le feu stop est bien visible, le clignot nettement moins. Allez, on va essayer d'avancer un peu quand même. Elle se conduit vraiment bien, elle a de la reprise. Elle est vraiment taillée pour la ville, celle-ci, je pense. Non, sans sécurité, on a assez de reprise pour pouvoir circuler. Elle est très saine, elle est vraiment très saine. Je trouve pas qu'elle ait tendance à guidonner. Ouais, ok. Elle s'insère vraiment bien. Les suspensions gomment vraiment toutes les aspérités. Bah écoutez, je vais m'arrêter devant FastRide et puis on va se faire un petit débrief. Alors qu'est-ce que j'en pense? Franchement, super trotte. Les finitions sont géniales. En fait, c'est tout ce qu'on attendait d'une Dualtron. C'est-à-dire une Dualtron avec des finitions qui sont en adéquation avec le prix de la machine. Ah, donc j'ai pas le prix exact, je vais vous le mettre dans la vidéo. Donc n'oubliez pas, je le rappelle encore une fois, vous avez 5% de remise sur toute la boutique FastRide, y compris les trottinettes neuves, avec le code ZeroRider. Ah, au niveau de la conduite, voilà, elle est super saine. 72 volts en 10 pouces, et lissé comme c'est vraiment pas déconnant. À voir ce que ça donnera en mettant le P7 à zéro, c'est-à-dire en accélération directe. Ça, je vous réserverai ça pour le test. Les suspensions, voilà, des vraies suspensions sur une Dualtron. Je pense qu'on a enfin la Dualtron que tout le monde attendait, c'est-à-dire de la puissance, mais aussi du confort, chose que Mini Motors était incapable de faire jusque-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à me dire ce que vous voulez voir dans le test qui arrivera bientôt, je sais pas quand. Écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.